Salut à tous. L'objectif pour un amateur, c'est de prendre deux putts sur tous les greens. Évidemment, on aimerait bien rentrer le premier putt, mais ça, c'est la cerise sur le gâteau. Donc avec l'exercice suivant, on va apprendre à faire deux putts à tous les coups. Cet exercice, c'est l'exercice des trois balles sur la même ligne. Son but, il est très simple. Il est de partir de très proche du trou, d'apprendre à faire deux putts en étant très proche, donc se rendre la tâche facile, et ensuite, avec l'entraînement, progressivement, faire des putts de plus en plus longs. Donc vous allez mettre trois balles sur la même ligne. On va agrandir le même putt progressivement. Vous allez vous mettre à 1 mètre, 2 mètres et 3 mètres. Et l'idée, ça va être de prendre deux putts. Vous allez sûrement en rentrer quelques-uns, ça c'est bien, c'est la cerise sur le gâteau, mais vraiment l'idée c'est encore une fois deux putts. J'apprends à doser, j'apprends à viser en partant de proche du trou. Donc je fais deux putts à 1 mètre, je fais deux putts à 2 mètres et je fais deux putts à 3 mètres. Et ensuite, quand j'ai réussi ces trois à la suite, quand j'ai réussi à faire deux putts trois fois de suite, je passe à l'étape suivante, je vais doubler les distances. Donc 2 mètres, 4 mètres et 6 mètres. Et ainsi de suite, j'agrandis 3 mètres, 6 mètres et 9 mètres. Et ensuite 4 mètres, 8 mètres, 12 mètres. L'idée, c'est encore une fois de progressivement de se rendre la tâche de plus en plus difficile. Et cet exercice, il va vraiment vous apprendre à prendre deux putts, à bien doser, à mettre la balle proche du trou. Vous allez voir, cet exercice, il a trois vertus majeures. La première, c'est qu'il va vous apprendre à doser, il va vraiment vous aider à ressentir la vitesse du green. En partant proche du trou et en agrandissant petit à petit, vous allez vraiment trouver cette vitesse, ce dosage qui fait que l'on prend deux putts très souvent. La deuxième vertu, c'est qu'on a tendance souvent, quand on a loupé le premier putt, soit trop court, soit trop long, à baisser un petit peu les bras, à croire que le 3 putt va encore arriver. Or, cet exercice, comme c'est un challenge et qu'on doit remplir le premier, le deuxième et le troisième putt, bah, si vous êtes au deuxième, et que vous avez fait un mauvais dosage, on va dire, vous allez quand même vous accrocher, vous allez essayer de rentrer le deuxième putt. Vous allez bien vous aligner et vous allez apprendre à rentrer le putt de retour. Donc même si j'ai loupé le premier, j'apprends qu'il y a toujours une deuxième chance, un deuxième putt pour remplir mon objectif. Et la troisième vertu, indirecte, on va dire, c'est un peu pour la cerise sur le gâteau, c'est que souvent, quand on fait cet exercice, eh ben, on se rend compte que le premier putt, parfois, sans y penser, on va le rentrer. Juste parce qu'on a bien dosé, parce qu'on a peut-être relâché et peut-être en confiance, on a trouvé la bonne ligne et la balle tombe. Donc on va en rentrer souvent sans effort, en laissant faire et en laissant la balle aller dans le trou. Donc trois vertus, un exercice qui part, encore une fois, de proche du trou, qui en confiance va vous apprendre à faire deux putts. Cet exercice, il est facile et vous allez voir, il est vraiment excellent parce qu'il va vous permettre de progresser en confiance. On part de proche du trou, on règle la mire et petit à petit, on augmente, on fait des putts de plus en plus difficiles et on apprend à faire deux putts à tous les coups. Un exercice idéal pour l'échauffement avant la partie et qui fera de vous un excellent putter.